Il est 7h20, on attend le réparateur. Qu'est-ce que c'est beau encore. On a le croissant de lune qui est là. Et un petit feu de cheminée là-bas. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Petit look ce matin. On a un manteau, une robe de chambre, une deuxième robe de chambre, un pull et je crois qu'il y a un autre pull. Et ben, je me suis bien caillée cette nuit encore. J'espère vraiment qu'il va pouvoir le réparer. Bon, il va venir, je pense, d'ici 20 minutes. Ce que vous entendez derrière, c'est le lave-vaisselle qui tourne. Bonjour. Bonjour. Alors, pas trop grave? Ah, je sais pas, tant que j'ai pas la panne sous les yeux, c'est pas évident en fait. Ah, vous avez enlevé tout le coffrage déjà? Ouais, il faut la nettoyer. Ah oui. Je suis obligée. Est-ce que vous voyez ma mine réjouie? Ça sent le chauffage tout ça. Voilà, il a tout relancé. Il a fait l'entretien, il a tout nettoyé. La panne en elle-même n'est pas définie. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à quoi ça correspond parce que la marque de notre chaudière, c'est pas une marque avec laquelle il bosse donc. Il va voir, il va appeler la marque hein, pour savoir exactement ce que c'est. Là, on a fait l'entretien. Si ça rebascule dans le rouge et que ça se met en défaut, il faut le contacter et auquel cas, il faudra sans doute changer la carte mémoire. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie d'y penser. Je profite du chauffage qui commence à venir, ça fait du bien. Si vous me suivez d'ailleurs sur Insta, hier, on était tellement mal, on avait mais tellement froid, il devait faire franchement 10 degrés. 10 degrés dans la maison. Pas le moral, donc avec Eric on a décidé qu'on allait manger au resto dans un endroit chaud, on est allé chez Buffalo, mais ça m'a fait un bien fou, je me suis régalée. Et il faut que je vous confie quelque chose, j'ai craqué ma détox de sucre, j'ai rompu ma détox de sucre une fois hein. Ça faisait un mois quasiment pile poil, j'ai pris un dessert qu'on a partagé à deux, c'est la diligence de dessert en plus, c'est pas le truc petit quoi, c'est genre t'as une profiterole, t'as un brownie. Tu as des crèmes brûlées, enfin, plein de petits desserts trop bons, un donut. Et voilà, je me suis fait plaisir, ça m'a fait du bien au moral, voilà, j'avais vraiment besoin de ça. Par contre, je continue ma détox, hein, c'est-à-dire que là, pendant, j'arrête toujours le sucre. Mais j'avoue que ça m'a fait du bien. Ce midi, je vais aller manger chez ma maman parce que mon frère et sa famille partent à 17h. À Paris pour prendre l'avion demain matin très tôt, il rentre à Saint-Martin. J'en profitais pour leur dire au revoir ce midi. Et cet après-midi, non, je ne ferai pas de tournage particulier, j'ai pas reçu de box aujourd'hui, donc ça va être off au niveau des tournages, ce qui est pas plus mal. Qui c'est qui est content? Il y a du chauffage? Et ben c'est Jack, parce que je peux vous dire que je crois qu'il en a souffert, parce qu'il est venu se blottir contre moi sous la couette, mais vraiment collé. Et bah c'était trop mignon, je l'ai laissé parce que je voyais qu'il avait le museau gelé, il avait presque la petite goutte au nez, Jackie. T'as vu, hein, tu sens que ça commence à chauffer dans la maison, c'est bien. Hein, je vais aller enfin à la poste pour envoyer le colis à ma soeur. Il se trouve derrière, je le mettrai pas là-dedans, je pense. Et comme c'est pour Bali, je sais pas, ça va peut-être être un peu compliqué. On va voir ça maintenant parce que avec tout ce qui a eu le plombier, tout ça, j'ai pas eu le temps. Je vais noter l'adresse, mais ça m'a l'air un peu... c'est pour ce qu'il y a dedans pour les douanes, il faut que je fasse gaffe. Bon, toutes les valises sont prêtes. Ça va? Ça fait des bêtises un petit peu ici? T'es contente de rentrer dans ta maison? Il va bientôt arriver avec qui ça? Le camion Cris. Qui? Le monsieur Cris. Ah, le taxi, le monsieur du taxi. Oui, à son camion gris. D'accord. Hey, moi aussi, Eric. J'ai réussi. T'as vu, Tata Caro, on a réussi. Je viens de rentrer. Je leur ai dit au revoir. C'est quand même agréable de rentrer chez soi et d'avoir du chauffage. J'avais oublié comme ça fait du bien de ne pas rester avec ces tonnes de fringues dessus. Ça, c'est même pas à moi. Je l'ai emprunté à ma maman depuis hier parce que j'avais trop froid. Je vais me faire une jolie photo avec un coffret de chez Rituals qui est juste magnifique. Je vais me faire une belle photo Insta, mais il commence à faire un peu sombre. Je vais monter. Je sais pas, il faut que je trouve un endroit un peu sympa. Je l'ai ramené dans ma corbeille. Vous savez, c'est la corbeille où il y avait tous les petits cadeaux du calendrier de l'Avent. Je l'ai récupéré. C'est ce coffret. Il est juste magnifique. Il y avait ça avec... Oh, splendide. Donc, Rituals. Alors, à l'intérieur... On a quand même du très joli. Ça, c'est un diffuseur, je crois, avec les petits bâtonnets. On a quoi, là? Un body, crème pour le corps,
Ça, c'est du lait sous forme de mousse. Je suis en train de me demander, ça pourrait faire joli là, si je le mets soit là ou là. Je vais tester, j'en profite. Ouais, je fais comme ça, donc j'ai mis tout ce qui se trouve à l'intérieur, un petit peu de chaque côté. Avec plutôt un fond blanc, je pense que ça va mieux ressortir. Je vais faire 3 photos. Une, on va dire un petit peu de loin, une de très près, et une où on voit les produits. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que j'ai une névralgie déjà depuis ce matin, mais c'était, je vous en ai pas parlé parce que c'était très très supportable. Mais là, ça me fait extrêmement mal. Névralgie d'Arnold, j'en ai souvent. Ça part derrière et ça irradie tout là. Jusque dans le fond de l'œil, ça donne des grands coups. Comme si tu avais des aiguilles derrière l'œil. Donc je fais de l'acupression, j'appuie sur les zones là depuis une heure et demie, 2 heures. J'ai la tête contre le radiateur parce qu'il faut de la chaleur. Je mets une pince à linge parce que ça soulage. C'est ridicule, mais on s'en fout. Et je suis sûre que c'est le fait d'avoir eu tellement froid depuis plusieurs jours et surtout hier soir qui a provoqué ça. Le nerf a été, voilà, il a eu trop froid. Et ben voilà quoi. J'arrive pas à avancer, j'arrive à rien faire. Ça fait super mal et ça me saoule concrètement. Voilà. Quand c'est pas la chaudière, j'ai mal à ça. En fait, il est 17h30 et je suis obligée d'être dans ma chambre allongée pour que éventuellement ça passe. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Donc je me suis allongée et regardez qui est-ce qui est venu me rejoindre. Je vous dis, il ne peut pas se passer de moi. Hein, Jackie? Bébé? Son bébé? Mais oui, tu veilles sur ta maman? J'avais envie de me faire des petites pâtes, des barilla, avec comme d'hab mes petits ballotins de chèvre. J'adore ça. Donc la névralgie part un petit peu, elle est toujours là, mais beaucoup moins intense. Donc peut-être le fait de manger, ça va me faire du bien aussi.